Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes à Marsannay, au lendemain du 11 novembre, et je vais vous présenter, ou plutôt ils vont se présenter, quatre personnes qui sont en face de moi, au sujet d'une exposition qui a marqué les mémoires. Donc qui veut bien commencer pour se présenter? Je pense que je peux commencer, comme c'est un projet municipal, que j'ai eu la chance d'animer un COPIL, c'est un comité de pilotage, dans lequel on a réuni les compétences de la municipalité, de la commune de Marsannay, pardon. Donc la municipalité a souhaité donner un reflet particulier à cette commémoration du centenaire de l'armistice de la guerre 1914-1918, en plusieurs volets. Une exposition où on parle des patarins pendant la guerre, une pièce de théâtre, Quand viendra l'aube, avec des comédiens professionnels vendredi qui a rencontré un grand succès, la commémoration, qui a eu aussi un caractère particulier avec la lecture de messages, de courriers et le nom de tous les 32 habitants de Marsannay qui ont été tués pendant cette guerre, et le repas des anciens combattants. Donc ce comité de pilotage était composé de gens de Marsannay qui souhaitaient depuis longtemps faire valoir leurs compétences, leurs richesses en termes historiques. Donc, c'est Jean-Michel Soichaud. Bonjour. Daniel Collard, qui est un ancien combattant, qui a beaucoup œuvré. Arlette Alimondo, je suis dans la direction collégiale du comité de jumelage Allemagne. D'accord. Et vous ne vous êtes pas présenté? Alors, je suis adjoint à la culture et à l'animation locale au sein de la municipalité. C'était un souhait de M. le maire et de la municipalité d'organiser ces festivités. Et votre nom, s'il vous plaît? Jean-Charles Viennet. Voilà, merci beaucoup. Alors, qui veut rebondir sur cette entrée en matière? Je suis parti, en fait, ça faisait plusieurs années que je tannais Jean-Charles sur les trésors que possèdent les gens de Marsannay dans leurs armoires, leurs tiroirs, sur les photos, des documents. Et un jour, il m'a pris au mot, il m'a dit, écoute, on va commencer, et on va commencer avec la cérémonie du 11 novembre. Et je suis parti d'un ensemble de lettres de ma grand-mère qui écrivait à mon grand-père et qui racontait la vie de Marsannay avec la guerre, les problèmes familiaux du fait que le mari était éloigné, les problèmes de santé, les gens de Marsannay. Et de là, sont parties toute cette exposition. Alors j'ai commencé par prendre la liste des morts pour la France, et j'ai recherché tout ce que je pouvais trouver sur Internet et dans Marsannay sur eux. Donc il y a une petite fiche d'état civil, l'affiche mort pour la France que vous trouverez sur Internet, l'entête du dossier militaire et des extraits du livre de marche du régiment auquel ils appartenaient au moment de leur mort. Et ensuite illustré avec des photos, soit locales, soit se rapprochant des problèmes qu'ils ont rencontrés. Et puis j'ai préparé 6 tableaux, l'un sur Marsannay avant-guerre, pour voir d'où on partait. Ensuite, le surcoût de travail du maire pendant la guerre, le courrier, les vignerons et les poilus, parce que le vin était quand même est notre raison de vivre à Marsannay, et puis la vie dans les familles, qui n'était pas simple. Voilà. Très gros travail. En tous les cas, les panneaux que j'ai pu voir hier sont magnifiques. On aura l'occasion de les découvrir dans ce reportage, d'ailleurs, en photo, mais très beau et très joli travail. Et alors, on a terminé avec Arlette sur un dernier panneau intitulé « Et nos voisins ». Parce que nous sommes jumelés avec deux villes, Mazille en Belgique et Schweich en Allemagne. Donc la guerre concernait tout le monde et on voulait qu'ils soient associés à cet événement. Voilà. En tous les cas, beaucoup d'émotions hier quand les enfants ont lu le nom des personnes tombées pendant les combats. Il y a eu énormément d'émotions dans l'assemblée. Oui, surtout qu'on avait inclus des petits extraits de lettres de ma grand-mère ou d'autres personnes racontant des événements souvent tragiques, toujours tragiques même. Alors, qui veut reprendre? Daniel, c'était un peu je me fais l'écho de ce que vient de dire Jean-Michel, à savoir que pour les anciens combattants, il y avait l'idée de faire une commémoration
bon, le chiffre, le centenaire, dont il fallait donner une certaine solennité, mais parler aussi de l'avenir, parce que dans les anciens combattants, je vois ma fonction au niveau du devoir de mémoire, c'est une action que j'exerce auprès du conseil municipal enfin, et dans cette logique-là, et puis même par rapport à mon éthique personnelle, je voyais l'idée de la réconciliation. Et l'idée de la réconciliation, c'est ce que vient de dire Jean-Michel, c'est les souffrances qui ont été vécues par les Patarins ont été vécues aussi de l'autre côté du Rhin, et il paraissait indispensable de mettre tout ça ensemble pour bien expliquer que la réconciliation, c'est quelque chose qui est très tangible, et donc le repas traditionnel des anciens combattants, la présence des Allemands, est apparue comme une évidence. Sauf que ben ça, c'est les évidences et les idées, c'est bien, mais après ça, il faut mettre ça en œuvre, et c'est comme ça qu'on s'est rapproché du comité de jumelage, et qu'on a mené cette partie de l'effort ensemble avec Arlette. Arlette. Donc, j'ai été contactée il y a environ 18 mois pour savoir si le comité de jumelage accepterait, justement, dans le cadre de la commémoration, de participer à cet événement. Question à laquelle, évidemment, j'ai répondu par oui. Et donc, au fur et à mesure des réunions de préparation, il a germé l'idée, effectivement, de faire ce panneau sur la ville de nos amis. Et j'ai demandé à mon homologue allemand s'il pouvait récupérer des documents authentiques pour faire notre panneau. Ce qu'il a fait avec empressement. Et justement, nous avons eu le plaisir donc, de pouvoir faire ce panneau et également de les inviter. Mais c'était une idée qui avait germé déjà l'an dernier lorsqu'on avait fait une exposition photo parce que nous avions organisé un stage des jeunes Patarins à Schweich dans le cadre des activités estivales faites par le centre de loisirs. Donc nous avions dès ce jour-là, l'an dernier, c'était en octobre je crois, émis l'idée qu'il y ait ces retrouvailles avec le maire et le président du comité de jumelage allemand. Donc c'est vraiment la boucle qui a été bouclée hier et c'était vraiment très très intéressant et les Allemands sont partis enchantés. Très jolie manifestation. Encore merci à Monsieur le maire pour son invitation. Merci aussi au colonel Flamand d'avoir bien voulu répondre à mon interview hier. Ça a été quelque chose de magique, il faut le dire, parce que c'est un monsieur, un très grand monsieur. En tous les cas, est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit mot ? On veut simplement dire que c'est un grand succès, ces différentes manifestations, et qu'il faut remercier l'ensemble des composants du COPIL, et tous ceux qui ont participé, aussi des agents communaux, comme Aurélie Bici, ils ont beaucoup œuvré dans une période difficile, et tout le monde a bien travaillé. Et le retour des Patarins, ben, est tout à fait satisfaisant, notamment la pièce de théâtre qui a été remarquable. En tous les cas, merci à vous, messieurs, dames, d'avoir bien voulu répondre à cette petite interview juste avant le démontage de cette exposition. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres manifestations. Merci et bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Marsannay, au lendemain du 11 novembre. Et je vais vous présenter, ou plutôt, ils vont se présenter, quatre personnes qui sont en face de moi, au sujet d'une exposition qui a marqué les mémoires. Donc, qui veut bien commencer pour se présenter ? Je pense que je peux commencer, comme c'est un projet municipal, que j'ai eu la chance d'animer un COPIL, c'est un comité de pilotage, dans lequel on a réuni les compétences de la municipalité, de la commune de Marsannay, pardon. Donc la municipalité a souhaité donner un reflet particulier à cette commémoration du centenaire de l'armistice de la guerre 1914-1918 en plusieurs volets. Une exposition où on parle des Patarins pendant la guerre, une pièce de théâtre, Quand viendra l'aube, avec des comédiens professionnels vendredi qui a rencontré un grand succès, la commémoration, qui a eu aussi un caractère particulier avec la lecture de messages, de courriers et le nom de tous les 32 habitants de Marsannay qui ont été tués pendant cette guerre, et le repas des anciens combattants. Donc ce comité de pilotage était composé de gens de Marsannay qui souhaitaient depuis longtemps faire valoir leurs compétences, leurs richesses en termes historiques. Donc, c'est Jean-Michel Soichaud. Bonjour. Daniel Collard, qui est un ancien combattant, qui a beaucoup œuvré. Arlette Alimondeau, je suis dans la direction collégiale du comité de jumelage Allemagne. D'accord.
Et vous ne vous êtes pas présenté. Alors, je suis adjoint à la culture et à l'animation locale au sein de la municipalité. C'était un souhait de M. le maire et de la municipalité d'organiser ces festivités. Et votre nom, Sylvie ? Jean-Charles Viennet. Voilà, merci beaucoup. Alors, qui veut rebondir sur cette entrée en matière ? Je suis parti, en fait, ça faisait plusieurs années que je tannais Jean-Charles sur les trésors que possèdent les gens de Marsanais dans leurs armoires, leurs tiroirs, sur les photos, les documents. Et un jour, il m'a pris au mot, il m'a dit, bah, écoute, on va commencer, et on va commencer avec la cérémonie du 11 novembre. Et je suis parti d'un ensemble de lettres de ma grand-mère qui écrivait à mon grand-père et qui racontait la vie de Marsanais avec la guerre, les problèmes familiaux, du fait que le mari était éloigné, les problèmes de santé, les gens de Marsanais. Et de là, eh bien, sont parties toute cette exposition. Alors j'ai commencé par prendre la liste des morts pour la France, et j'ai recherché tout ce que je pouvais trouver sur Internet et dans Marsanais sur eux. Donc il y a une petite fiche d'état civil, l'affiche mort pour la France que vous trouverez sur Internet, l'entête du dossier militaire et des extraits du livre de marche du régiment auquel ils appartenaient au moment de leur mort. Et ensuite illustré avec des photos, soit locales, soit se rapprochant des problèmes qu'ils ont rencontrés. Et puis j'ai préparé 6 tableaux, l'un sur Marsanais avant-guerre, pour voir d'où on partait. Ensuite, le surcoût de travail du maire pendant la guerre, le courrier, les vignerons et les poilus, parce que le vin était quand même est notre raison de vivre à Marsanais, et puis la vie dans les familles, qui n'était pas simple. Voilà. Très gros travail. En tous les cas, les panneaux que j'ai pu voir hier sont magnifiques. On aura l'occasion de les découvrir dans ce reportage, d'ailleurs, en photo, mais très beau et très joli travail. Et alors, on a terminé avec Arlette sur un dernier panneau intitulé « Et nos voisins ». Parce que nous sommes jumelés avec deux villes, Mazille en Belgique et Schweich en Allemagne. Donc la guerre concernait tout le monde et on voulait qu'ils soient associés à cet événement. Voilà. En tous les cas, beaucoup d'émotions hier quand les enfants ont lu le nom des personnes tombées pendant les combats. Il y a eu énormément d'émotions dans l'assemblée. Oui, surtout qu'on avait inclus des petits extraits de lettres de ma grand-mère ou d'autres personnes racontant des événements souvent tragiques, toujours tragiques même. Alors, qui veut reprendre ? Daniel ? C'était un peu je me fais l'écho de ce que vient de dire Jean-Michel, à savoir que pour les anciens combattants, il y avait l'idée de faire une commémoration, bon, le chiffre, le centenaire, dont il fallait donner une certaine solennité, mais parler aussi de l'avenir, parce que dans les anciens combattants, je vois ma fonction au niveau du devoir de mémoire, c'est une action que j'exerce auprès du conseil municipal enfant, et dans cette logique-là, et puis même par rapport à mon éthique personnelle, je voyais l'idée de la réconciliation. Et l'idée de la réconciliation, c'est ce que vient de dire Jean-Michel, c'est les souffrances qui ont été vécues par les Patarins, ont été vécues aussi de l'autre côté du Rhin, et il paraissait indispensable de mettre tout ça ensemble pour bien expliquer que la réconciliation, c'est quelque chose qui est très tangible. Et donc le repas traditionnel des anciens combattants, la présence des Allemands, est apparu comme une évidence. Sauf que ben ça, c'est les évidences et les idées, c'est bien, mais après ça, il faut mettre ça en œuvre. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché du comité de jumelage et qu'on a mené cette partie de l'effort ensemble avec Arlette. Arlette. Donc j'ai été contactée il y a environ 18 mois pour savoir si le comité de jumelage accepterait, justement, dans le cadre de la commémoration, de participer à cet événement. Question à laquelle, évidemment, j'ai répondu par oui. Et donc, au fur et à mesure des réunions de préparation, il a germé l'idée, effectivement, de faire ce panneau sur la ville de nos amis. Et j'ai demandé à mon homologue allemand s'il pouvait récupérer des documents authentiques
pour faire notre panneau, ce qu'il a fait avec empressement. Et justement, nous avons eu le plaisir donc, de pouvoir faire ce panneau et également de les inviter. Mais c'était une idée qui avait germé déjà l'an dernier lorsqu'on avait fait une exposition photo parce que nous avions organisé un stage des jeunes pataras à Schweich dans le cadre des activités estivales faites par le centre de loisirs. Donc nous avions dès ce jour-là, l'an dernier, c'était en octobre je crois, émis l'idée qu'il y ait ces retrouvailles avec le maire et le président du comité de jumelage à Lyon. Donc c'est vraiment la boucle qui a été bouclée hier et c'était vraiment très très intéressant et les annonces sont parties enchantées. Très jolie manifestation. Encore merci à monsieur le maire pour son invitation. Merci aussi au colonel Flamand d'avoir bien voulu répondre à mon interview hier. Ça a été quelque chose de magique, il faut le dire, parce que c'est un monsieur, un très grand monsieur. En tous les cas, est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit mot ? Simplement dire que c'est un grand succès, ces différentes manifestations, qu'il faut remercier de l'ensemble des composants du COPIL. Et tous ceux qui ont participé, aussi des agents communaux, comme Aurélie Bissi, ils ont beaucoup œuvré dans une période difficile, et tout le monde a bien travaillé. Et le retour des pataras, tout à fait satisfaisant, notamment la pièce de théâtre qui a été remarquable. En tous les cas, merci à vous, messieurs, dames, d'avoir bien voulu répondre à cette petite interview juste avant le démontage de cette exposition. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres manifestations. Merci et bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.